Bonjour à tous, on met les gaz avec un nouveau Tour d'Europe de la presse. Ce mercredi 20 août 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe s'intéresse à la rencontre de ce soir entre Lille et Porto. Les Dogs vont tenter de venir à bout des Dragons en barrage aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi est programmé à 20h45. Pour sa part, la Provence zoom sur Marcelo Bielsa. Les journalistes de ce quotidien considèrent que l'Argentin n'est pas si fou que ça. En réalité, quand on s'intéresse à sa gestion du groupe professionnel de l'OM. Cap vers l'Italie, le Corriere dello Sport évoque le barrage aller de la C1 entre Naples et l'Athletic Bilbao. Mené 1-0 sur leur pelouse, les Parthenopei ont égalisé grâce à l'attaquant Gonzalo Higuain. Malgré cela, le résultat nul de 1 but partout est une bonne opération pour l'écurie espagnole avant le deuxième acte. D'après la Gazzetta dello Sport, Radamel Falcao serait triste à Monaco. Le goléador colombien aurait toujours envie de signer à la Juventus Turin lors de ce mercato. On embraye avec une escale en Espagne. Marca met en avant le match aller de la Supercoupe du Roi. Le Real et l'Atlético Madrid n'ont pas réussi à se départager hier. Le score final est de 1 but partout. La deuxième manche se déroulera vendredi chez les Rojiblancos. En ce qui les concerne, El Mundo Deportivo Sport parle de Luis Suarez. Le nouveau buteur du Barça a été présenté aux médias hier. El Pistolero est ravi d'avoir l'occasion de jouer au Camp Nou. Par ailleurs, il est aussi pressé que sa suspension soit terminée afin de pouvoir disputer des matchs officiels avec ses coéquipiers. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. Le journal The Times met en lumière Petr Cech. Apparemment, le gardien serait d'accord afin d'être la doublure de Thibaut Courtois cette saison à Chelsea. Mais selon le Daily Express, le Tchèque voudrait des garanties solides au niveau de son temps de jeu. Le Daily Mail, quant à lui, se penche sur le transfert de Marcos Rojo à Manchester United. Les Red Devils ont déboursé 20 millions d'euros afin de déloger le défenseur du Sporting Portugal. En parallèle, l'ailier Nani va faire le chemin inverse et donc retourner dans son pays natal via un prêt jusqu'en juin 2015. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site de Top Mercato pour suivre l'actualité en temps réel. Nos pages Facebook et Twitter, sans oublier nos applis pour mobile et tablette, sont aussi à votre disposition. À bientôt !